L'enjeu principal, c'est suite à des très très nombreuses conférences internationales. Ça doit démarrer ces conférences dans les années, fin des années 80, début des années 90, sur la lutte contre la déforestation. Bilan des courses, en 2020, la déforestation n'a jamais cessé d'augmenter. Donc l'enjeu principal, c'est de voir comment on devient un peu plus contraignant par rapport aux accords internationaux. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils soient plus contraignants et qu'ils soient acceptables pour les populations locales qui sont près d'un milliard à vivre de la déforestation, sur la déforestation, au niveau local. C'est l'enjeu. La déforestation est vraiment problématique à différents égards. Parce qu'aujourd'hui, la forêt est importante, elle assume beaucoup de fonctions, notamment le stockage du carbone qu'elle permet a une incidence sur le climat. Donc toute déforestation aggravera le changement climatique. Mais la forêt a aussi pour fonction d'héberger une biodiversité importante. À chaque fois qu'on détruit de la forêt, on aggrave la disparition de la biodiversité à l'échelle mondiale. La forêt a aussi un impact sur la qualité de l'eau et des sols, et toute modification de la densité des forêts impacte le système hydrologique local et parfois même au niveau mondial, puisque quand c'est des forêts comme les forêts tropicales, l'enjeu n'est pas que territorial, il est à l'échelle mondiale. La question de la déforestation concerne aussi toutes les populations qui vivent de la forêt, la population des peuples autochtones qui vivent dans la forêt pour la plupart, mais aussi des populations qui vivent à proximité, en lisière des forêts, qui y trouvent de quoi subvenir à leurs besoins. Cet ensemble-là fait que toute atteinte à la forêt aura des répercussions aussi bien en termes environnementaux, mais aussi sociaux à l'échelle planétaire pour différentes populations. Et on a suffisamment des aléas climatiques qui peuvent générer de la disparition des forêts par des sécheresses accrues ou des incendies que l'on ne sait pas maîtriser. Pour ne pas aggraver par nos achats, par notre économie, la déforestation. La déforestation, elle est générée par nos productions, aussi bien par des questions strictement agricoles que la production d'énergie à travers les agrocarburants, que la pâte à papier que l'on utilise et que l'on importe à travers le monde, que les productions de caoutchouc naturel ou le cacao. Personne pense, quand il mange du chocolat, qu'il a généré de la déforestation. Et pourtant, la production de cacao, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana, sont source de déforestation importante, même s'il y a des améliorations qui ont commencé, des améliorations des systèmes de production pour moins générer de déforestation. Le cacao est une source de déforestation qu'il faut limiter, parce que quand on est en Afrique, comme la Côte d'Ivoire, avec un climat qui a déjà tendance à être très aride et très excessif, si en plus on enlève la forêt, on va vraiment perturber le climat de ces zones-là. Donc quoi faire ? Les deux sources de déforestation principales sont le soja que l'on importe pour nourrir le bétail en Europe et puis l'huile de palme pour faire des agrocarburants. Et donc dans cet avis, nous souhaitons une organisation de la sortie des agrocarburants, d'une part, qui sont faits à base de plantes alimentaires. Pour nous, il faut cesser de faire des agrocarburants avec ces plantes. Et puis de la même façon, on doit pouvoir nourrir l'élevage européen sans avoir recours au soja que l'on importe d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. On peut nourrir les animaux avec d'autres sources de protéines qu'on peut produire en Europe et c'est ce qu'il faut engager à travers la politique agricole. On doit accompagner le développement des productions de légumineuses aussi bien pour les animaux que pour la population. C'est aussi des alternatives à la consommation de viande. Les accords, il y en a beaucoup. On a terminé les grands accords par l'accord de Paris en 2015. Très bien. Il n'y a rien de contraignant. Il faut que l'Union européenne aide les pays qu'on appelle en voie de développement, même si c'est des pays qui sont développés, aide par rapport à tout cela, par rapport aux populations locales notamment. Et puis, au niveau de l'Union européenne, que les subventions n'aillent pas à tout ce qui est carboné. Et donc, on laisse du temps par rapport à ça, mais pas beaucoup de temps, parce qu'on n'a pas de temps devant nous d'item aeternam. Donc, comment on fait pour rendre les choses plus contraignantes au niveau des accords internationaux et notamment des décisions du Conseil européen et du Parlement européen ?
C'est difficile, mais c'est obligatoire. Sinon, on continuera à avoir de bonnes propositions internationales et la déforestation continuera à augmenter. Un chiffre hein, par rapport à la déforestation, c'est un chiffre qui vient du Brésil. Entre 2018 et 2019, 85% d'augmentation. Et les chiffres qu'on a en 2020, qu'on vient de découvrir en 2020, c'est encore plus 50%. Donc, si on n'est pas dans les accords plus vigilants et plus contraignants, et l'Union européenne là-dessus doit jouer un rôle fondamental, eh bien, ça continuera. Et donc, toutes ces décisions, toutes ces propositions, tous ces contrats internationaux seront en déshérence et n'auront servi quasiment à rien. Malheureusement, je le dis, malheureusement, quasiment à rien.